de montée du drapeau national au gouvernorat de Kidal. Le général de division Elad Agamou, après avoir pris les rênes du gouvernorat, vient d'initier cet exercice et un acte de patriotisme et de citoyenneté. Reportage Benoko Fofana, Sidi Elmedi Ag Albaka et Tayeb Adjaouyakoui. Vert, or et rouge, le drapeau national flotte sur le toit du gouvernorat de Kidal. Une première au gouvernorat de Kidal après une décennie d'occupation des lieux par les ennemis de la nation. C'est une montée de colère qui va d'ailleurs continuer chaque lundi, Inch'Allah. Ça montre que d'abord la présence de l'État et puis l'appartenance aussi à la République du Mali. C'est un signal fort, la présence de toute l'administration et les services sociaux de base. Donc je demande à tous les chefs de service, à tout le monde, de mettre ces drapeaux sur tous leurs services. Cette cérémonie a été mise à profit par le gouverneur pour renouveler son invitation à la population kidaloise à regagner leurs domiciles respectifs afin d'amorcer les projets de développement. Je renouvelle toujours l'appel à toute la population de la région de Kidal de revenir chez eux, dans leur maison, dans leur pays, la République du Mali, le souhait de haute autorité de notre pays. Voilà, donc je crois que les conditions, Inch'Allah, seront mises en place de sécurisation de toute la population de la région de Kidal et leurs biens. Partant de ce premier exercice, le gouverneur instaure désormais à Kidal la montée du drapeau national sur instruction du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.